Le truc, c'est qu'en fait, le policier, il était censé le ramener en garde à vue. What? Ma fille binet, il faut... Je te parle d'un truc. Du truc. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. C'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. On va parler de ce qui s'est passé à Beyrouth et puis de Mahé. Alex, je te parle d'un truc. Du truc. En gros, je t'explique ce qui vient de se passer à Beyrouth. Même moi, j'en crois pas mes yeux. En gros, il y a moins d'une heure, il y a une grosse explosion à Beyrouth. Le truc, c'est que l'explosion, elle est vraiment impressionnante. J'ai lu pas mal de commentaires, mais pour l'instant, c'est que des rumeurs. Il y en a qui disent comme quoi ça serait des bombes, et il y en a d'autres qui diraient comme quoi ça serait une fuite de gaz. Vu l'explosion, et je suis même pas expert, je peux pas donner mon avis. J'ai fait une petite compilation de toutes les vidéos, justement, que j'ai pu retrouver sur Twitter. Je vous laisse avec le passage pour comprendre, et on voit ça juste après. شباب هيدا انا تحت هون ما في بناية فوق الثاني ما في بناية فوق الثاني الله يعين العالم هيدا البور هيدا البور الله بيعرف كم قتيل فيه الله بيعرف كم قتيل فيه ليك J'ai mental hon. Ah, passe, Ah là l'équipe, hey, l'explosion elle est vraiment impressionnante. Tu vois, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait qu'il y a des immeubles etc qui ont explosé. Ça c'est que du matériel. Le truc c'est qu'il y a peut-être des personnes qui étaient dedans ou alors autour. Alors imaginez avec l'explosion. J'espère vraiment qu'il n'y a pas eu de mort ou de blessé grave à ce moment là. J'essaierai de me renseigner un petit peu plus sur cette affaire et je vous retournerai une vidéo. Alex, je te parle d'un truc. Du truc. Bref l'équipe, pour la deuxième actualité on va parler de Maes. Bon, y a Maes qui a publié justement deux photos sur Snapchat avec un policier. Le truc c'est qu'en fait le policier il était censé le ramener en garde à vue. Ensuite, il a même publié cette photo avec le policier justement qui se prend en photo avec. GAV de luxe, pour ceux qui n'ont pas capté, ça veut dire garde à vue de luxe. Je sais pas si vraiment c'est une voiture de police, mais ça y ressemble. Voilà l'équipe, pour l'instant on n'en sait pas plus sur cette affaire, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Putain là parmi nous, je te baisse, je repars à minuit. J'ai fait son paramineuse, poteau gauche, je suis pas un minot. Je suis dans un bar animé, au fond ça parle de kilos. Au fond ça parle de kilos, mais on est sur terrain miné. J'ai fait les 100 pas en cellule, la prison gros c'est nul. Même si t'as le cellulaire, une tonne de shit tu simules. Pour moi, cette vidéo, c'est simplement pour vous faire patienter ce soir. Parce qu'en fait, je reviens aux bases. Si vous n'avez pas compris, il y a une grosse vidéo vérité qui est prévue. Cette fois-ci, on va parler de tout le monde. De Dylan Tirlier, de Julien Guirado, de Podka, de Chatta sa grande tante et encore de plein d'autres. Je sais pas si t'as remarqué, je fais des efforts avec mes mains parce que je sais que ça casse les couilles. Moi, quand je re-regardais mes vidéos, je me cassais les couilles à moi-même. Bref, l'équipe, et pour cette fin de vidéo, je vais pas vous faire une intro longue. Simplement passer quelques dédicaces. À Zocol du 93, à Hugo 69, à Totof Totof, à The Punisher, à Augustin Février, à Yasef, à Yak Grim, à Mikarap, à L'Alvatar, à Ramspirat. Ah là l'équipe, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Sinon, comme d'hab, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peut-être la nouvelle vidéo vérité si je l'ai terminée. Il arrive, dès que cette vidéo elle atteint 1000 likes, je vous débloque la nouvelle vidéo. C'est gang gang. Alex, je te parle d'un truc. Du truc.
Petit voyou a grandi, il traîne toujours au quartier. C'est pas un grand bandit, mais vaut mieux s'en écarter. Il écoute pas les ondits, dans la rue il est gradé. À chaque chute il rebondit, il a su garder sa fierté. Un quart de siècle est passé, du rap s'il en a fait assez. Il rêve toujours de brasser, il fait du rap, il veut percer. Il a perdu des amis, des années à cause de la monnaie. Il compte pas faire la causette, allume sans rien mettre dans son nez. Le temps passe vite et à chaque anniversaire les regrets s'amènent. Mais c'est la vie et pour la vivre heureux, quelques euros ça aide. La taille est vide, il est son propre adversaire, les degrés l'emmènent. Seul dans la ville face à lui-même, il rêve, les blèmes s'arrêtent. Petit voyou a grandi, brandit son tarpé. Sa haine s'est agrandie, tout comme la cour au parquet.